Les enjeux d'un chantier d'ampleur pour la ville de Villejuif et le territoire Grand Orly-Sainte-Bièvre sont d'ordre multiple. Le premier, c'est de traiter un sujet récurrent les 30 dernières années d'affaissement du sous-sol. On est sur des carrières historiques qui ont permis la construction de la ville de Paris et qui très régulièrement se rappellent au bon souvenir des Villejuifois par des affaissements qui entravent la circulation. C'est ce que nous vivons depuis maintenant 2019 avec une mise en sécurité de la voie qui a empêché la circulation. Donc le premier sujet, c'était de trouver une solution technique qui nous permette d'éviter à revivre les mêmes événements tous les 5-10 ans, ce qui est à peu près la moyenne que l'on a connue dans ce secteur-là, avec une solution technique innovante et mise en place par l'entreprise Les Paveurs de Montrouge et sous l'impulsion du territoire Grand Orly-Sainte-Bièvre. Le deuxième sujet, c'est de désenclaver un quartier qui, depuis 2019, donc, est entravé. Le 131 est détourné le long de l'autoroute A6 sur une route départementale et donc ce quartier ne voit plus de circulation de bus, très ralenti, rendu très difficile la circulation des voitures. Et donc à terminaison du chantier, on va pouvoir rétablir une des lignes majeures du Val-de-Marne en matière de bus et qui va venir connecter le réseau du Grand Paris Express qui va être livré dans les mois qui viennent. Enfin, c'est d'utiliser ces travaux pour les mobilités douces, favoriser des trottoirs plus larges, plus spacieux, confortables, dont on débarrasse tous les obstacles que l'on pouvait constater sur les trottoirs. Je pense aux encombrants, je pense aux containers des grands ensembles, mais aussi une piste cyclable sécurisée dans le sens de la remontée, une vertu écologique. Avec une noue, des plantations d'arbres, 135 arbres replantés, là où il y en avait 90. Enfin, et c'était un sujet majeur, permettre une circulation aisée pour les instituts que nous avons le long de cette voie, je pense notamment à l'Institut Guinaud, mais pas seulement, mais qui de fait est un sujet d'handicap lourd pour les patients qui y résident. Un chantier complexe techniquement, un chantier complexe parce qu'il dans une largeur assez étroite, obligeait tous les opérateurs de réseau, que ce soit le gaz, l'électricité, l'eau, les eaux usées, la fibre, etc., à travailler ensemble. On sait que c'est le plus dur, il fallait que sur une fenêtre de tir la plus courte possible, de quelques semaines, quelques mois en réalité, tout le monde intervienne au moment où on donnait le top départ de l'ouverture des tranchées. Donc cette phase-là de préparation, mise en œuvre par le territoire Grand Orly-Sainte-Bièvre, a permis d'y être, me permet de dire à l'occasion de cette visite que nous sommes à ce jour dans le temps qui a été défini au départ du chantier. On sait que parfois il y a dans des chantiers qui peuvent, parce qu'ils sont complexes, déraper, dériver petit à petit. Aujourd'hui, on est très heureux de constater que les délais sont tenus malgré un printemps très pluvieux, grâce à une très belle coordination et un très beau travail d'équipe qui est réuni sous l'impulsion donc, du territoire, de la ville, pour permettre que tout le monde travaille bien ensemble.